Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing partenariat, donc c'est de la boutique Gutfeld. Donc pour info, j'ai choisi les articles le 14 septembre. Il a été expédié le 22 septembre, donc 8 jours après la sélection. Et je l'ai reçu aujourd'hui le 1er octobre, donc entre l'expédition et la réception, il y a eu 9 jours. Et donc en tout, entre le moment où j'ai sélectionné mes produits et la réception, ça fait 17 jours. Donc il faut compter entre 10 et 20 jours, j'ai envie de dire, puisque en moyenne, la dernière fois, ça mettait 10-11 jours. Là, ça met un petit peu plus de temps, donc je dirais entre 10 et 20 jours, comme ça vous êtes sûr d'avoir à peu près la marge d'expédition. Donc voilà, donc petite info, le site Gutfeld a été refait à neuf. Il a été tout remanié et il est super accessible et encore plus qu'avant. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, il y a énormément de nouveautés. J'ai un code promo de 10%, donc je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc je vous mettrai le lien du site, mon code promo, ainsi que le lien de tous les articles que j'ai dans ce colis. Donc voilà, donc je vous mets tout en barre de description. Donc je prends, j'ai 3 toiles et 2 accessoires. Donc je prends au hasard, donc je vais prendre la première toile. Donc toujours très bien emballée. Alors, c'est la blanche, c'est difficile à ouvrir. Donc, alors j'ai pris que des diamants ronds là, cette fois-ci. Alors, la première, alors ça c'est, j'ai trouvé top, trop mignonne. Donc ça fait partie des nouveautés. Donc la voici, c'est un chat avec un bonnet, ça fait très thème hiver. Donc bonnet jaune, un petit chat, donc tout mignon. C'est une 30 par 40 avec les bords. Alors vous avez deux tableaux DMC de chaque côté. Ce sont des diamants ronds. Ça colle super bien. Donc je vais vous montrer les symboles. Voilà. Dans le foncé, c'est super bien imprimé. Voilà, ça colle nickel. Voilà. Alors, vous avez donc le nombre de couleurs. Il y a 22 couleurs. Vous voyez les symboles, en fait, ce sont des lettres majuscules. Et vous avez les DMC. Donc avec, vous avez un petit toolkit vraiment basique, le stylet rose, la petite barquette verte et le petit pain de cire. Voilà, et vous avez les diamants. Avec les DMC sur les sachets. Vous avez le symbole et la DMC sur les sachets. Alors si je trouve... Voilà, donc vous avez le numéro de la couleur. Le premier, c'est la DMC. Et ensuite, vous avez la référence de la toile. Donc là, c'est très complet. Donc je vous montre les couleurs. Donc petit beige, brun. Ensuite... Ce sont des couleurs assez claires. Voilà. Après, ce sont des diamants ronds. Donc, les diamants ronds de chez Gutfeld, ils sont super. À part les petits mélanges. Là, je vois qu'il y a pas mal de petits mélanges, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ce petit chaton... chaton tout mignon, chat avec bonnet, il était au prix de 5,99€ sur le site de Gutfeld. Alors j'arrive pas à replier, je vais arrêter de vous casser les oreilles. Donc 5,99€.
Voilà, il rend super bien, franchement. Du coup, chaque article que vous avez en DP, quand vous cliquez dessus, vous allez dans les photos et vous avez le layout. Donc le layout, c'est quoi? C'est exactement ça. Vous voyez le rendu de la toile. Donc ça, je l'ai vu sur le site. Donc ça, c'est très intéressant. Et sur chaque image, vous l'avez. Avec les dimensions de la toile. Donc là, c'est une 30 par 40. Il montre bien que c'est 30 par 40 la toile. Et après, il montre la dimension de l'image. Donc 24 par 34. Voilà donc pour la première toile. Ensuite, je vais faire la deuxième toile, les deux accessoires et on finira par la dernière toile. Donc, une deuxième qui a du mal à s'ouvrir. Hop. Donc la deuxième, alors ça c'est une toile que mon mari a choisi. Donc voilà, donc là vous le voyez super bien. C'est un aigle avec en fond un drapeau américain. Donc un aigle en plein vol. Donc c'est pareil, c'est une 30 par 40. Vous avez deux tableaux DMC. Donc là il y a 23 couleurs. Alors, je vous montre l'impression. Donc l'impression, elle est vraiment nickel. Voilà, ça colle super bien. Alors elle est un petit peu, voilà, vous voyez, elle est un petit peu ondulée, mais c'est pas grave, en l'aplatissant une journée ou deux sous des livres, moi je vais la mettre dans ma pochette à dessin avec le poids de mes autres DP. Ça va le faire. Alors, je vous montre aussi dans le rouge. Généralement, ça porte un peu préjudice, le rouge. Mais là, on voit super bien. Donc là, il suffit que je l'aplatisse. Déjà, là, en remettant le film plastique, elle est quasiment déjà bien plate. Je l'aplatisse 2-3 jours et ça sera top. Donc, avec, vous avez exactement le même toolkit. Sauf qu'il y a des petits sachets, donc ça c'est intéressant, petits sachets. Et surprise, donc ce sont des diamants ronds, j'ai pas précisé, mais c'est un sachet zippé. Alors ça c'est super cool. Alors là en plus, vous voyez le panel de couleurs, je vais pas, ils sont super bien rangés, donc je vais pas vous montrer un par un, vous allez les voir comme ceci. Et juste en fait, alors ils sont classés par ordre important et en fait vous avez juste le numéro de la couleur avec la référence de la toile. Voilà, il y a des petites étiquettes, il doit y avoir aussi le poids, je pense 4,7, ouais c'est ça. Donc différent, c'est vraiment différent, donc c'est super en sachet zip, c'est bien. Donc voilà pour la deuxième. Alors l'aigle, donc 30 par 40 avec les bords en diamant rond, elle était au prix de 6,99€. Voilà, donc on va passer à un accessoire. Donc j'ai pris un stylet qui changeait un peu du stylet que j'avais pris chez eux. Alors s'il y a une ouverture. Donc voilà, j'ai pris un stylet façon un peu sirène, mais en fait c'est un poisson là-haut. Voilà, c'est une tête de poisson multicolore. Et en fait voilà, vous avez un embout simple, il est rond. Et voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez original comme stylet. Et ça fait vraiment que de sirène. Enfin moi il y a une tête de poisson là, mais voilà, ça fait vraiment sirène. Je trouve ça super, il est super léger. Il a l'air d'être bien, bien en main et enfin il est top quoi. Donc le stylet il était au prix de 1,99€. Voilà, on va prendre
Alors la dernière fois, je vous avais dit que je n'avais pas de barquette de chez Gutfeld dans ma dernière vidéo. Et voilà, j'ai pris une nouveauté en termes de barquette. Alors ils avaient ça. Donc ça m'a intriguée. En fait, ce sont des barquettes qui se clipsent. Alors, en fait, c'est une grande barquette coupée en deux. De chaque côté, vous avez des embouts qui s'ouvrent. Donc en fait, pris une barquette comme ça, vous pouvez faire deux couleurs en même temps. Et en fait, là, c'était un lot de 12 barquettes finalement. Puisque vous n'avez que toutes les couleurs. Et en fait, la particularité, c'est que ça se coulisse ici. Et vous pouvez les attacher ensemble. Donc vous avez toutes ces couleurs. Et en fait, ça se coulisse à ce niveau-là. Voilà. Et là, en fait, j'ai pour mettre 12 couleurs en même temps. Et chaque barquette s'ouvre au bout, comme ceci. Et ça se referme comme ceci. Alors là, j'ai pris le lot de 6, mais ça se vend aussi à l'unité. Et je crois que ça se vend aussi par 3. Par 3, comme ça. Ça se vend par 3, ça se vend tout seul, comme ceci. Ou alors le lot de 6. Alors moi, j'ai pris le lot de 6. Je pensais que ça se fermait, mais en fait, non. Ça se referme pas. Mais ça s'enclenche les uns aux autres. Alors je trouvais ça très intéressant à tester. Et est-ce que ça s'empile? Et ça s'empile. Donc ça se clipse en s'empilant. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc c'est très intéressant. Je testerai. Alors là, ça a l'air quand même assez robuste cette partie-là, mais je pense que cette partie-là, vu que c'est plié, je pense que à force, ça risque de s'abîmer. Mais à voir dans le temps, hein. Donc voilà, donc je peux vous montrer, ça s'emboîte. Pour celles qui aiment bien préparer plusieurs couleurs, je sais que ça se fait beaucoup. Il y avait également des plateaux où on prépare plusieurs barquettes. Mais ça, c'est une façon, une autre organisation de préparer plusieurs barquettes de couleurs. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour les emboîter? Et voilà, je les ai tous emboîtés. On peut les préparer. Je vais peut-être les mettre tous dans le même sens. Et les autres, je les ai emboîtés, mais pas celle-ci. J'en ai deux qui ne s'emboîtent pas, alors peut-être que je les ai mal emboîtés. Mais enfin voilà, vous pouvez les empiler comme ceci. Celle-ci, elle s'emboîte bien. Et surtout, les attacher ensemble. Ça se coulisse. Alors, il faut que je les prenne en main. Hein. Là, c'est pas... Là, je ne suis pas très douée, moi. Hein. Voilà. Par 3. Et donc là, du coup, j'ai pris le lot de 6 plateaux. C'est pour vous montrer toutes les couleurs qu'il y a de disponibles. Voilà. Donc, ça change. C'était à tester. Et c'était nouveau. Donc, les 6 plateaux colorés encastrables, ils étaient au prix de 4,99€ les 6. Donc, très intéressant à voir. Ensuite, on va passer à la dernière toile. Donc, la dernière toile,
Donc la dernière toile, on est complètement dans le thème. Je l'ai trouvée trop mignonne. C'était aussi dans les nouveautés. De toute façon, c'était que des nouveautés. Et j'ai pris une petite toile Halloween avec les petits nains, les petits gobelins. C'est la mode, ils sont à toutes les sauces ces petits gobelins. Cet été ils étaient en tongs avec un short et puis à la plage. Et là maintenant j'en ai trouvé donc le thème Halloween. Donc là ce sont des petits sorciers. Il y a une petite sorcière ici, le sorcier avec le chaudron. Et là le petit sorcier avec le balai. Et c'est écrit Happy Halloween. Voilà, donc ce sont des diamants ronds également. Vous avez deux tableaux ici, donc il y a 24 couleurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est dans les teintes de violet. Donc ça, j'adore. Alors, je vous montre les symboles. Voilà. Ils sont très visibles. Ça colle super bien. Et donc avec, vous avez un toolkit, donc un petit barquette verte, un petit pain de colle et le petit stylet rose. Et donc les diamants. Donc évidemment, il y a du 550, hein. Et c'est le numéro 7. Et il y a 4 paquets de 550. Comme vous pouvez le savoir, c'est ma couleur préférée. Donc c'est la couleur dominante. Et ça, je suis aux anges. Je vous montre quand même les autres couleurs. Il y a quand même un gros sachet noir. Du gris. Donc, waouh. Un beau vert bien flashy. Je pense que c'est pour le petit... le petit chaudron là, ce qu'il y a dedans, la potion magique. Du orangé, un bleu foncé, un petit peu de rose, un peu de vert, un peu de ocre, un peu de marron, un petit peu de blanc, du violet, du rose, du violet, du vert et un bleu foncé. Et donc celle-ci, les petits gobelins de Halloween, étaient au prix de 7,99€. Donc voilà, donc je vous remontre les petits gobelins. Ensuite, il y avait mon lot de barquettes à tester, empilables, encastrables. J'avais également la toile avec l'aigle qui vole, le stylet poisson sirène. Petit chaton avec son bonnet. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Un grand merci à Gutfeld pour me faire toujours confiance pour faire ces partenariats. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!